22 novembre 1919. Ma chère mère, je suis bien arrivée en enfer. Oui, il n'est pas d'autre mot pour qualifier les décors qui m'entourent. Tout ici calciné, des chemins défoncés traversent un paysage de fin du monde. Autour de moi, des arbres décharnés, des villages en ruines. Au bord des routes, des gens hagards nous suivent longuement des yeux. Je commence enfin à réaliser la tâche immense qui m'attend. Demain, à la première heure, je rencontrerai enfin Anne Morgan. J'ai hâte de faire sa connaissance. Avec tout mon amour, ta fille, Jane. Lorsque Jane, jeune infirmière américaine, pose pour la première fois le pied sur le sol français, Anne Morgan a déjà depuis de longs mois établi ses quartiers dans ce département martyrisé. Jusqu'en 1924, son action humanitaire auprès des populations va marquer la renaissance d'un territoire anéanti. À l'origine, rien pourtant ne prédestinait cette fille de milliardaire à sacrifier une existence dorée pour partager le quotidien dramatique d'habitants plongés dans la plus noire des misères. Anne Morgan voit le jour le 25 juillet 1873 à Highland Falls, dans l'État de New York. Elle est la plus jeune des quatre enfants du banquier John Pierpont Morgan, l'égal d'un Rockefeller dont il est alors le principal concurrent. Le financier a bâti sa fortune en investissant notamment dans l'acier, l'électricité, le chemin de fer et la navigation. De ce père, Anne Morgan a hérité l'énergie, l'intelligence et la forte personnalité. La ressemblance s'arrête là.